Bienvenue dans cette pédago, je vous propose de voir aujourd'hui un plan qui va marier deux techniques. La première, c'est la technique du bend que vous connaissez, et la seconde, c'est la technique du glissé. Je vous montre ça tout de suite et on en reparle juste après. Je commence par d'abord faire entendre un accord de La de façon à bien être dans le contexte harmonique, à savoir la tonalité de La, puisque je fais un accord de La. Ensuite, que se passe-t-il? Alors, je suis ici donc à la deuxième position, et là, on va dire que j'ai plutôt à l'esprit de jouer une gamme avec une couleur majeure. Je vous rappelle la position majeure. Okay. Et ensuite, donc, je vais faire mon bend ici à partir de la quatrième case corde de sol. Je vais monter d'un ton. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent. Après avoir fait ce bend, je vais redescendre. Et je vais aller faire un double glissé aller-retour jusqu'à la case numéro 5. Et ça, c'est suivi d'un lié, d'un pull-off, pour revenir à la note initiale de La. Encore une fois. Donc tout ça, c'est un suivi de techniques qui ne sont pas forcément évidentes, mis bout à bout, de façon isolée, a priori, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus un geste global qui mixte différentes techniques. Je vous le refais encore une petite fois. Ok, plus lentement à présent. Quelque part, à partir du moment où je commence à amorcer la descente du bend, mon doigt commence à se diriger vers la cinquième case. Voilà, ça donne un effet qui imite quelque part le slide, puisqu'on est généralement toujours entre deux hauteurs. Là, c'est un petit peu ça. On descend, mais en même temps, on va monter juste après. Donc voilà, il y a cette espèce d'ambiguïté-là qui est particulièrement propre au blues. Donc j'ai fait mon petit bend d'un ton. Ok, ça peut être également un bend d'un demi-ton, il n'y a aucun souci avec ça. Ensuite, je vais à cet endroit-là du manche, donc voilà, mon repère, c'est la cinquième position. Le principe est exactement le même. Là, ma forme d'accord de La est la suivante. Donc du coup, j'ai la même hauteur, on est d'accord. Et la même chose à cet endroit-là du manche. Donc là, ma tonique est à la dixième case. Voilà, à nouveau, bend d'un ton ou d'un demi-ton, tout dépend de ce que je souhaite entendre. Je redescends et je vais aller chercher une case plus haut. Voilà pour cette petite technique que j'ai clairement piqué à un guitariste qui s'appelle Chris Buck. Je vous recommande vraiment d'aller sur son Instagram, sa chaîne, de suivre un petit peu son travail. C'est vraiment un travail avec beaucoup de finesse que j'apprécie beaucoup. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez participer à la cagnotte Tipeee si vous souhaitez participer au développement de cette chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.